Bonsoir, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir, je vais vous parler du jeu Digger sur PC-DOS. Alors, Digger, c'était un de mes jeux préférés quand j'étais plus jeune, au même titre que Rune 42, Popcorn, AD4. C'était vraiment un jeu que j'adorais, mais vraiment, voilà. C'était THE jeu. Alors, moi à l'époque, sous DOS, il y avait deux fichiers exécutables pour lancer le jeu. Un qui s'appelait Digger et l'autre qui s'appelait Dig Dug. Ah, on vient de voir passer Lily sur le câble. Et Dig Dug, ben oui, je crois que c'est Atari qui a créé un jeu qui s'appelle Dig Dug, qui est super connu. Si je ne me trompe pas, ça doit être Atari, à moins que ce soit Namco. Non, j'ai plus trop de mémoire. Mais enfin bon, Internet nous dira ça plus tard quand on ira voir. Bref, donc ce jeu ressemble un petit peu à Dig Dug, mais en différent. Donc c'est pas tout à fait pareil. Dig Dug, je l'ai connu que très tard, il y a 8-9 ans, mais tandis que Digger, je l'ai connu ben, il y a plus de 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, parce que il y a 25 ans, comme ça. C'est un jeu que j'adorais, où on incarne une petite voiture, il faut ramasser des émeraudes pour terminer le niveau. Il y a des sacs d'or, on peut récupérer l'or à condition de casser les sacs. Il y a des méchants qui viennent nous embêter, des espèces de monstres, voilà. Ça se joue avec des flèches. On peut jouer à deux à tour de rôle. Pour changer de joueur, il faut appuyer sur Escape pour activer le mode de joueur sur la page d'accueil. Donc on se déplace avec des flèches et on a une touche pour tirer, c'est F1. Avec F1 on peut tirer, mais on peut faire qu'un tir par vie. Dès que vous avez fait votre tir, vous pouvez plus faire de tir. Donc pour vous débarrasser des ennemis, soit vous devez fuir, soit vous devez faire en sorte qu'ils se fassent écraser par les sacs d'or. Un peu comme dans un boulder dash, quoi. Pour ceux qui ont connu le boulder dash, qui est un classique. Donc c'était un jeu qui fonctionnait sous DOS, sur les grandes disquettes souples, si je ne me trompe pas. Je crois pas que c'était sur petite carré, dans mes souvenirs, non, c'est les grandes. Et donc voilà, c'était un jeu que j'adorais, et puis autre chose à dire, la musique du jeu. La musique du jeu, ça va forcément vous rappeler quelque chose, une musique super connue. Et oui, parce que la musique du jeu de Digger, c'est la célèbre chanson Popcorn, qui n'a rien à voir avec le jeu Popcorn sous DOS que j'ai testé quelques temps plus tôt et qui est déjà dans ma liste de vidéos sur YouTube. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt et à tout de suite pour Digger. Les méchants, gare à vous. Thank you.
Et nous revoilà. Eh oui, ce fut bref, mais court. Mais bon. Très bon. J'adore vraiment la musique du jeu, c'est vraiment. Et les bruitages et tout, voilà. Je pourrais jouer des heures à ce jeu. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de tester Digger. C'est un jeu qu'il faut jouer, voilà. Moi j'adore ce jeu. Et vous avez vu, les méchants, ils sont très méchants, ils peuvent même dépasser des sacs de pièces, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et que la cacahuète soit avec vous. Le savez-vous, nous sommes le 7 mai 2014. Cette information est totalement inutile, mais totalement gratuite. À bientôt.